Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, ça faisait longtemps, on va aller voir les magasins, j'espère qu'il y aura des belles choses. Ça fait très longtemps que j'ai pas été vlog, King Jouet, Maxi Toys, etc, la Fnac. On va aller voir ça tout de suite, ça fait très longtemps, j'ai acheté une nouvelle caméra, je suis en train de la tester. J'espère que le son sera bon, la qualité sera bonne, j'ai investi pour vous dire. Donc on va aller ça check tout de suite, hein. Regardez-moi ça. Let's go, c'est parti. Comme vous pouvez constater, les magasins sont confirmés, il est très tôt. Je fais ça vite, hein, vite fait, bien fait. Donc, déjà d'une part, je fais ce vlog pour tester la caméra qui fonctionne merveilleusement bien. Je pense que le son est bon, la qualité est bonne. Mais voilà, on va aller voir parce que je voulais voir en fait ce qu'il y avait en stock en magasin. J'ai plus trop suivi Pokémon actuellement parce que EV6, je me tâtais pas, EV6.5 aussi. EV7 pareillement, j'attends EV8. Gardez votre argent pour EV8, ça va être fantastique. Et là, donc, on va voir. Hein. EV7, c'était pas trop mon truc. J'aimerais bien en ouvrir quand même, on va voir s'il n'y a pas quelques petits boosters. En tout cas, ici, on va attendre patiemment que le magasin ouvre. Je vais vous montrer ça. Hop là, c'est encore fermé. On attend. Voilà, à la fin de la petite Nakama. Oh, une petite PS5. RIP, tous ceux qui les avaient achetés. Plutôt pas mal de choses. Hop là, ils ont un petit peu tout bougé. Ils ont mis des petites pop là, ici. Ils ont mis des petites pop. Plutôt pas mal. Mais nous, ce qu'on recherche. Oh, attendez, hein. Oh, petite Tony Chop. Excellent. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Je pense que je les ai. Oui, ils sont là. Alors. Qu'est-ce que nous avons du Fable Nébuleuse? Moi, déjà ça, c'est hors de question. Surtout pour 19 euros. C'est pas trop ça. Hein. Et là, on a ben, du Couronne Stellaire. Je vais voir un petit peu les prix. Donc, on est au prix de 56 euros. 56 euros, bon, prix plus ou moins correct, hein. C'est un petit peu, comme je vous l'ai dit, hein, regardez ce qu'on trouve, c'est des séries un petit peu boudées quand même, hein. EV6, EV6.5, EV7, bon, EV7 vient de sortir, je pense qu'il y en aura ce qu'il faudra. On a encore du coffret Karma Dura, ça c'est des coffrets qui peinent à partir, hein, au prix de 50 euros aussi, c'est normal. Tac Tac X, Super Dauphin, il y a beaucoup de quantités. Sucré, là, celui-là, je l'avais pas vu. Il est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a dedans? Du Miascara, donc du EV6. On a du EV5. On a du EV3 là derrière. Ouais, ok, ça peut être plutôt pas mal. Hein. Peut-être des petites snives, petites promos, etc. Petites classiques. On a des. À chaque fois, j'oublie. À chaque fois, j'ai envie de dire Battle, les petites bundles. Les petites bundles, elles sont au prix de. Pas de prix. Vraiment, elles sont horribles les levels, hein. Pas terrible du tout. Ah, on a une nouvelle Pokébox par contre. Ça, c'est très stylé. Je sais pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, le prix n'est pas très stylé. 27 euros. Donc on a verre de fer. Enfin non, j'ai oublié comment ils l'ont appelé encore. On a Air Foudre, Terrakium, Feu Persant. Ça fait bizarre de les appeler par autre chose que leur blaze. Encore du EV6.5. Il en reste à regarder, hein. Il reste deux displays décellés. Qu'est-ce que nous avons encore? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça je connaissais pas son existence. En plus, c'est du français combattant Terra Crystal X. Ok, un petit Dracolos X. Ça s'amuse bien, hein, en tout cas à la Fnac. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? On a 2, 4, 6. 2, 4, 6. On a 7 boosters. Il y a un petit peu toutes les séries, j'imagine. Ok, on va voir le prix un petit peu du coffret. Ok. Ok. Très cher. Et donc ici, comme d'habitude, waouh, EV7. Vraiment à gogo. À gogo, petit Nakama. C'est quoi ça? C'est du Lorcana, Burke. C'est pas mon délire. On a un petit peu du Yu-Gi-Oh. Ouais, c'est vraiment énormément de quantité, hein. Surtout EV6.5, il nous reste des masses. Ok, les petites nouveautés, voilà les petites nouveautés, tout ce qu'on a. Petit calendrier des fêtes, c'est plutôt pas mal. Là, du mascara, voilà, du EV6 plutôt. Vraiment en très grosse quantité. Vraiment, il n'y a pas quelque chose qui traîne, hein. 151, quelque chose. Une petite guitare PlayStation. Mais non, il n'y a pas grand chose. On va regarder, on va faire le tour pour voir.
Je sais pas si c'est le nouveau Académie de combat. Pour ceux qui jouent aux cartes, n'hésitez pas à le dire. On a une petite statuette. Donc bon, il n'y a pas ce qu'on a besoin. Le petit Lakama, comme dit, hein, EV6 à gogo, EV6.5. Cette série n'a vraiment pas fonctionné. Franchement, gardez-vous bien pour EV8 et EV7. Ça vient de sortir, mais franchement, pour EV7, il y a quand même quelques petites cartes qui sont plutôt sympas. Mais voilà quoi, c'est pas waouh. C'est pas waouh, c'est pas un truc que je garderais scellé ou que j'ouvrirais même en dépensant mon argent. Mais il y a beaucoup de nouveaux coffrets, ça fait plaisir. Un peu cher, donc si vous voulez des items pas chers, trading card 6107, hein, Zach 10, moins 10% sur toute la boutique, avec des prix défis, toute concurrence, et là c'est un petit peu plus cher. Mais pas mal de stock, voilà, si on veut pas commander, si on veut acheter, ben voilà, il y a pas mal de stock. Let's go. King jouer. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Ça fait longtemps cela. J'espère qu'ils ont un petit stock assez conséquent. Let's go, on va passer par là directement. On va voir donc, on va zoomer un petit peu quand même. Donc, on a du le display scellé mini-tin spécial, enfin, des scellés plutôt, l'autre. Hop là, verre de fer. Voilà, du EV6.5, du EV6, EV5. Les Pokémon Go, la Pokébox Dracolos, elle est tout le temps là. Hein. Et sinon, on a encore du EV6.5. Quand je m'habitue à filmer à cette caméra, ça m'a pas tant les petits boosters. On a des petits duo packs, hop là, des petites valisettes, etc. Petite chose sympa, mais pas extraordinaire, c'est pas ce qu'on recherche de dingue. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. C'est dommage. Ouais, petit Nakama, franchement, King jouait, j'ai un petit peu d'habitude. Il y a vraiment plus grand chose dans leur magasin. C'est souvent très 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 redondant. Souvent les mêmes choses. Et voilà, comme vous pouvez voir, EV6, EV6.5 en petite quantité. EV6.5, pour une 0.5, ça me surprend. Hein. Ben bon, ça me surprend. Ça me surprend pas vraiment. Désolé pour ceux qui sont fans de la série, mais elle est vraiment nulle. Et du coup, de ce qu'on peut voir, ben, quantité partout, tripack, display, bundle, ETB, vraiment à gogo. Ah, maintenant, on va aller voir au MediaMarkt. Peut-être qu'on va trouver une petite surprise ou quoi. Je sais pas. Je me tâte. Hop là. Let's go MediaMarkt. Bon les gars, ne m'en voulez pas hein, pour le film, hein, parce que je prends la caméra en main, c'est pas très facile, après fast tracking etc, c'est pas simple. On va aller regarder si on trouve du Pokémon, qu'est-ce qu'on va trouver surtout. Bon, allez, let's go, c'est parti. Donc voilà un petit Nakama, on est ici au MediaMarkt, toujours du EV6.5. 11,99€. Bon, la musique va un peu fort, hein. Je suis désolé. Il y a des petits boosters force temporelle sous blister. En fait, j'aimerais bien trouver des petits boosters EV7 pour qu'on découvre un peu la série ensemble. Mais j'achèterai pas une ETB, c'est sûr. Petite Pokébox verre de fer à 26€. Je sais pas si en même temps le son est très 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 fort. C'est vraiment désagréable, hein. Mais Diamarc, je vous mets moins 1. On a des decks. Regardez comment c'est triste. Donc là, on a une petite ETB EV5 56€. Je pense que ces ETB vont exploser. Et ben, comme voilà, pas de surprise. Du EV6.5 en plus en anglais au prix de 56€. Ouais. Allez, oh, ok. Du EV6. Bon, on va regarder directement les couleurs comme ça parce que le magasin commence à me déranger fortement avec la musique. Les gars, ils font pas de différence. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Anglais, français, 56€. Ils respectent même pas Pokémon. Ils s'en fichent, Royal. Regardez-moi ça. Ah, il est là, en plus en anglais aussi. La petite bundle, 35€. Et les gars, MediaMarkt, à un moment donné, il faisait bien les choses. Maintenant, c'est terminé. Que de l'anglais en plus. Ragging Bolt X. Ok. Ok, du tripack en anglais, on n'en veut pas. Rentrée des classes, contient deux boosters. Est-ce que c'est en anglais ou en français? Je veux pas se faire avoir. Hein. C'est de l'anglais, regardez-moi ça les gars. C'est complètement perché. Hein. Ils sont complètement fous ici. Une petite Pokébox, Coraidon X.
C'est trop marrant, c'est vraiment aléatoire en fait. J'ai MediaMarkt. N'importe quoi. Oh, oh, regardez-moi ça. Plutôt intéressant. Et des grosses peluches Pokémon. C'est bien. Mais à part ça, rien d'intéressant. Let's go, c'est parti. C'est trop marrant. Bon ben, des petites pop. On va visiter les petites pop. Ouais, voilà. Petit Filali, petit Mewtwo. Pour ceux qui les ont pas, ceux qui font la collection des pop. Voilà. Hein. Flambino, Salamèche, Ponyta, Carapuce, Nymphali, Mysticram, le Drac. Voilà. Pour ceux qui ne les ont pas, c'est ici. C'est ici que ça se passe. Je suis très déçu. Vraiment, il n'y a vraiment rien du tout. La musique est forte. On va faire un petit débrief là-bas. Voilà, petit Nakama. J'ai quitté l'enfer. Quelle musique ignoble, horrible. Quoique elle était quand même mieux que les séries Pokémon Tier en anglais. Mais blague à part, rien. Rien au Hino. Par contre, Fnac et King jouaient plutôt pas mal. Hein. Enfin, surtout Fnac. Il y avait pas mal de choses, mais là en l'occurrence, MediaMarkt, rien du tout. Même pas de V7 pour vous dire. J'arrive bien à vous l'avoir du V7 pour vous faire découvrir. Pour qu'on découvre ça ensemble, je n'ai pas encore ouvert, on va voir. Je vais demander à Trading Card, donc je vais voir. Comme ça, on verra bien. On va aller peut-être faire un tour dans un autre magasin, mais après, je pense que ce sera fini. On retrouve souvent les mêmes choses. Je ne vais pas me casser la tête à filmer les mêmes trucs. Hein. Vous avez les prix, etc. Je pense que la Fnac, pour le moment, number one. On va aller check ça. Sinon, je ferai une intro de fin. On verra tout de suite. Les gars, juste pour le plaisir des yeux, je vais vous filmer un petit peu de trucs japonais. Petit truc exclusif comme ça. Hein, vous pourrez voir ici là. Petit One Piece, on va pas très bien. Du Naruto, du Dragon Ball, du Pokémon. Et c'est parti. Ah ouais, juste la vitrine aussi. Hein. Il y a des produits japonais. Il y a aussi du français. Bon, le prix là, lui, il rigole pas. 151 display, Vestiaire Univers. Petite couronne stellaire EV7. Petit booster à l'unité. Un peu de tout. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Les gars, je connaissais pas ce coffret. Puissance obscure. X. Absol. On a du Star Etincelant. Petite promo, etc. Et derrière. Oh, oh, oh. Oh, 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 tiens, calme-moi. Coffret très sympa, hein. Le placement magnifique avec le petit bras net, franchement plutôt pas mal, hein. 37€, pas mal avec un ancien booster, kiff. Voilà, petit 56€, petit V7, du V6.5, du V6 et du V5. Il y a le V5, je comprends pas comment ça qu'on en trouve encore. Ça a été imprimé en grande quantité. Oh, encore du V4.5. J'étais même pas au courant, les gars, pour ce coffre. J'étais même pas au courant, pour vous dire. C'est une dinguerie. Beaucoup de beaux coffres, hein. Plutôt pas mal. Quelques petits stocks. Bon, ici, pour vous dire, il y a plein de pépites. C'est-à-dire Dragon Ball. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est quoi. Des trucs de fou. Beaucoup de pop, beaucoup d'accessoires. Des petits mugs. Naruto, One Piece. Toutes les choses plutôt sympas. On va voir ce qu'ils ont, les trucs Pokémon, ça c'est tout Naruto, vous connaissez. Oh, Naruto, énervé. Tout ce qu'il y a Pokémon, plein d'accessoires. Hier, je parle doucement parce que je parle de me faire remarquer non plus, hein, faut pas exagérer. Mais ici, je voulais vous montrer un petit quelque chose. Qui sont là, des petits boosters 151, V4, V1. Toujours, oh, un petit tripac. Oh, là-bas, je me tâte. Une belle ouf, petite illustration de Mathias. Je pense qu'on se fera ça pour une prochaine vidéo, on verra bien. De l'anglais, du français, on parle du Oscar Radio, Yu-Gi-Oh, etc. Français, anglais. Ok, encore des anciennes displays, hein. Ils ont regardé beaucoup de stock. Ok, hop là. On va zoomer du Naruto Caillou. Ça, je sais pas, je vois pas de là, à combien le prix du booster. Les gars, je suis aveugle en plus. Encore. Bundle Battle, des bundles, petit stock. Bref, voilà, y'a pas tout ce qu'on a besoin, c'est bon. C'est dans la boîte.
Voilà, petit Nakama. On va faire un petit peu kiffer. Ici, il y a des travaux. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu hein, tout ce qu'il y avait. Vous avez vu. Donc, en gros, il y a des nouveaux coffrets. Des coffrets de fou furieux quand même. Hein. Obscur, la ex, tout ça. La collection des dragons, la bataille des dragons, je sais pas trop quoi. Il y a beaucoup de travaux. Hein. Les gars, on est à Bruxelles. Je peux vous montrer tous les travaux. C'est dingue. C'est la ville des travaux. Pour ceux qui sont déjà venus, que des travaux. Et donc, bah voilà, EV6, un peu de EV5, beaucoup de EV6.5, du EV7. J'aimerais bien la tester la série. On va voir. Je vais demander un trading. Un petit pack de EV7. Hein. Trading car, vous connaissez le partenaire. On va demander un petit pack, comme ça on fera une petite ouverture découverte. Il y a 2-3 cartes que j'aimerais bien avoir, notamment la Zara Aura alternative qui est plutôt pas mal. Sinon voilà, des choses assez redondantes, plutôt pas mal, beaucoup de beaux petits coffrets. En fait les petits coffrets franchement, ils sont pas mal. Et si on veut kiffer avec des anciennes séries, je pense que c'est le moment de les avoir. Donc voilà un petit Nakama, j'espère que ça vous aura plu. La caméra fonctionne très bien. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la qualité est meilleure. Bon, j'ai pas pris le micro, je parle avec le truc directement. Je testerai un micro la prochaine fois. Mais voilà, comme ça au moins vous avez vu les quantités, les stocks, ce qu'il y a de nouveau. Ah, vous savez quoi, un petit Nakama? On va quand même se faire un petit kiff. On va tester le petit micro. Donc voilà, petite info de dernière minute. Comme vous le savez, ou si vous ne le saviez pas, il y aura un restock ou un repop, ce que vous voulez, de bundle 151 en quantité plus ou moins correcte. Bon, pas grand chose, mais il y aura quand même une quantité ETB à voir. Mais ce qui est confirmé et sûr et certain, ce seront des bundles fin du mois ou octobre, plus ou moins. On n'a pas une date précise, mais ça arrive prochainement, dans les jours, enfin dans les semaines qui suivent. Il y a aussi un restock de Zenith Suprême Pokémon, le coffret Pikachu. Restock confirmé 151 et Zenith Suprême coffret Pikachu. On n'a pas encore la date officielle, mais ça arrive. Ça arrive dans quelques jours, quelques semaines. Voilà, donc préparez-vous à attaquer vos magasins, vos boutiques en ligne préférées. Ça arrive très très vite en quantité normal, mais voilà, on va quand même dire en quantité limitée parce qu'on connaît pas ce qu'il y aura. Donc, comme ça, vous savez, je vous donne les bonnes. Vous avez vu comment je vous donne les infos hein. Je rajoute une petite info dans la journée. Cette vidéo sortira très vite. Allez, merci, prenez soin de vous. Ciao!